Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Monsieur Haba. Oui. Est-ce que vous avez eu à rencontrer la commission d'enquête internationale? Bon. Moi, j'ai déjà décrit les deux endroits où j'ai été rencontré, les commissions. Maintenant, je ne sais pas, commission d'enquête internationale ou quoi que ce soit, mais la commission qui a siégé le premier au Palais du Peuple m'a reçu. À cette occasion, qu'est-ce que vous avez pu dire à propos des événements? J'ai raconté le même scénario que j'ai expliqué ici. Le même scénario que j'ai expliqué ici, c'est ce que j'ai compté. Vous n'avez pas pu identifier s'il s'agissait de la commission d'enquête internationale ou de la commission d'enquête nationale? C'était, oui, je n'ai pas pu faire la différence, mais pour moi, la commission qui était là-bas, c'était la commission nationale d'enquête indépendante pour la première occasion. Maintenant, ce qui s'est passé ici à l'inspection, est-ce que c'était la commission d'enquête internationale ou pas? Là, d'ailleurs, quand je suis venu, ce n'était pas une narration des faits, c'était des questions SIR, réponse. C'était comme ça. Et quand j'ai répondu aux questions qu'ils ont posées, on s'est séparés. Ils étaient combien les personnes, elles étaient combien les personnes qui vous ont interrogé? Est-ce une personne? Pour ici? Oui. Deux. Une secrétaire et je crois un magistrat. Est-ce que ce n'est pas le juge d'instruction? Peut-être. Mais ils étaient deux. Est-ce que la commission d'enquête internationale ne vous a pas demandé des documents concernant le rapport des événements du 28 septembre? Mais non, en ce moment-là, le rapport de police dont je parle n'était même pas fini. Mais est-ce que cette commission vous a demandé ce rapport? Non, ils ne m'ont pas demandé un rapport. C'est plutôt autour des renseignements que la police a remonté à l'autorité de l'État pour signaler l'ampleur de l'organisation des manifestations qu'ils m'ont demandé. Et c'est pourquoi j'ai dit, j'ai fait un extrait et je les ai donnés. Avec la permission de Monsieur le Président, nous voulons lire un passage concernant donc la commission d'enquête internationale, à la page 9, paragraphe 20, il est dit ceci. Tous les entretiens de la commission avec les autorités ont été conduits sans difficulté avec la pleine coopération de celles-ci, à l'exception de quelques requêtes qui ont été refusées ou sont restés sans réponse. Le lieutenant Pumba a notamment refusé une demande de la commission de rencontrer les personnes identifiées et placées sous son commandement qui auraient participé de manière active aux événements qui ont eu lieu au stade le 28 septembre. Une requête de la commission adressée au ministre de la Défense en vue de visiter les camps de Koundara et de Kassa est restée sans réponse et la copie du rapport établi par la police technique et scientifique au stade et au commissariat de Bellevue demandé plusieurs fois oralement au directeur général de la police nationale n'a jamais pu être obtenu. Qu'en dites-vous? Mais moi, je vous dis, au moment où la commission nationale d'enquête indépendante évoluait, le rapport de police n'était pas fini. Mais ce qui était disponible, c'est ce que je les ai donné. En plus, je vous ai dit, pour la deuxième fois que je suis arrivé ici, le dossier était déjà transmis. Et la copie qu'on m'a donnée, c'est moi personnellement qui l'a amenée. Ça veut dire que ces documents ont été disponibles d'une manière ou de l'autre. Est-ce que vous avez fait comprendre
à cette commission que le rapport technique et scientifique n'était pas encore disponible. Au moment où les premières commissions la siégeaient, on n'a même pas parlé de ce rapport de police. On a parlé de la connaissance qu'on avait pour l'organisation des manifestations. Maintenant que eux, ils tirent la conclusion qu'à plusieurs reprises, et ceci, cela, bon, ça, s'ils le transmettaient, les gens avaient fait le travail, ils étaient en train de compiler les choses. Vous savez, quand nous parlons de rapports entre magistrats et policiers, c'est des instructions. Les magistrats là pouvaient même demander à la DPJ par commission rogatoire de remonter quelque chose dont ils ont besoin, en précisant les questions. Ça, c'est dans leur relation. Le policier ne peut pas refuser ça. Vous avez promis de déposer un rapport au niveau du greffe. Est-ce qu'il s'agit de ce rapport technique et scientifique? Ce rapport est composé de deux parties. Le procès verbal et le rapport de constatation des faits par la police technique et scientifique. Les deux sont compilés. Et c'est ce que je dois déposer sur instruction de M. le Président au greffe du tribunal. Ma question est de savoir, est-ce que ce rapport, il s'agit bien du rapport technique et scientifique de la police? Est-ce que c'est ce rapport que vous allez déposer? C'est ce que j'ai dit. Le rapport que je vais déposer, oui. Vous avez la procédure qui est partie, c'est accompagné du rapport de la PTS dont ils sont en train d'en faire état. Les deux sont là-dedans. Est-ce que vous pensiez à l'époque, au moment où les enquêteurs étaient venus, que cette affaire allait aboutir à ce procès? Est-ce que vous pensiez à l'époque à cela? Mais bien sûr, c'est une audition. Quand une audition commence, c'est une procédure. Quand on vous dit que c'est des magistrats qui ont commencé à se saisir d'un dossier, ça doit aboutir normalement à un jugement. Vous savez, on est habitué à des enquêtes en Guinée et à plusieurs reprises, et finalement, rien ne s'ensuit. Oui ou non? Est-ce que c'est à moi de le dire? S'il y a eu des forces qui pouvaient empêcher la justice de tenir des audiences comme nous sommes en train de voir, mais ça, c'est des aléas qui venaient. Mais le principe, j'ai dit que lorsque des magistrats se saisissent d'un dossier, un procureur se saisit d'un dossier, ça doit aboutir à un jugement. Bien. Comme le disait un confrère tout de suite, je crois que c'est Maître Barry, Hamid Barry, notre préoccupation majeure demeure où se trouvent les corps des victimes. Alors, qui vous a instruit de prendre ces corps, les embarquer dans des camions au stade du 28 septembre, qui n'est pas loin de la morgue de Donka, venir dépasser la morgue de Donka et venir atterrir, non pas dans un hôpital, mais dans le camp? Qui vous a instruit à cela? Le fait que nous nous soyons transportés au stade, c'est l'ordre de la loi qui relève des autres choses. Des compétences de la police. Hier, je parlais de ça ici. Quand vous prenez l'article 75, en cas de découverte de cadavre, quelles sont les dispositions qui doivent être prises? C'est dit là-dedans que c'est l'officier de police qui se transforme immédiatement sur les lieux, prend les dispositions de sécurité, informe le procureur. Personne d'autre ne pouvait le faire si la loi même autorise ça expressément. Oui, mais les corps qui ont dépassé même l'hôpital qui était tout proche du stade. Je vous ai expliqué que la police n'ayant pas de moyens, le ministre de la Sécurité, qui est ministre de la Police, a choisi d'envoyer des camions qui sont venus
et qui étaient des camions militaires. Ceux qui conduisaient, c'était des militaires. Quand les camions ont bougé, on les a retrouvés au camp. C'est en ce moment-là que nous l'avons appelé pour lui dire de venir. C'est ce que j'ai dit.